Bonjour La Réunion, votre réaction à l'actualité, votre opinion sur cette question au logement social, approuvez-vous les durcissements des critères d'éligibilité sur 653 participations, le oui arrive en tête à 52%, le non juste derrière à 42% et 6% sans opinion. Vote très serré donc entre les pour et les contre, en commentaire sur l'info.re, Marie-Jo vote pour, n'a trop d'abus avec un gros salaire, il gagne logement social et les autres avec petit salaire, il gagne pas, ce n'est pas mon cas, j'ai ma maison, mais je n'aime pas l'injustice, nous dit-elle. Marie-Carole témoigne également. Moi, je connais qu'il y a certaines personnes qui ont une maison et qui vivent dans des logements sociaux. En gros, ils ont deux logements. C'est pas juste pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont dans l'attente. À ce témoignage s'ajoute celui de Marie. Je cite, j'en connais qui sous-loue son logement social en mode saisonnier et qui vit ailleurs. Et c'est justement pour remédier à cette situation que le ministre du Logement assure durcir les critères d'éligibilité au logement social. En clair, il demande à ce qu'en plus des revenus, le patrimoine des demandeurs de logement soit désormais étudié et pris en compte par les bailleurs sociaux. Une mesure de justice sociale. Certains locataires n'ont plus rien à faire dans le parc social, déclare Guillaume Kasbarian. Concrètement, cela se traduirait par une résiliation de bail pour ceux dont les revenus et patrimoine cumulés dépassent un certain plafond. Par exemple, à la suite d'un héritage. En revanche, le plafond des revenus éligibles pour obtenir un logement social ne devrait pas être modifié. Sur l'info.re, Naor réagit, je cite, la situation des foyers change. Aujourd'hui, un salaire convenable, demain, la maladie, l'arrêt, le chômage et comment ils vont faire si le chômage, si le salaire change en cours de route. Le social est déjà élevé. Quand tu as un revenu modeste, alors 900 à 1000 euros, c'est juste pas possible, explique-t-elle. Dans les commentaires également, le représentant de la Confédération nationale du logement s'oppose, je cite, farouchement à ce simulacre de réforme. Selon Éric Fontaine, elle va mettre en difficulté les salariés. Le gouvernement Macron met fin à la mixité sociale. Fin de citation.